Va falloir sortir les violons derrière. Vous allez mettre des bruitages. Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lève un cruel rideau de scène sur mille et une peine qui ne veut pas. J'ai choisi cette chanson d'Yves Montand parce que c'était la chanson préférée de mon grand-père. Et il adorait Yves Montand. Je crois que c'est le seul chanteur qu'il aimait vraiment. Et depuis qu'il a disparu, je me suis surprise à écouter comme ça ses chansons, à regarder les films dans lesquels il a joué. Et voilà, c'est du coup une voix, un personnage qui, pour moi, est lié directement à mon grand-père. Donc voilà, je l'écoute beaucoup en ce moment parce qu'il me rappelle de tendres souvenirs. Paul McCartney, c'est lié à mon enfance, beaucoup, à mon papa particulièrement, qui en plus est bassiste, donc il m'a toujours fait écouter les Beatles en me disant « écoute particulièrement la basse, tu verras, c'est très intéressant ». Et j'ai choisi « Junk » parce que pour moi, c'est la chanson parfaite. Je trouve qu'elle dure pas très longtemps d'ailleurs, ça lui va bien, je trouve ce côté comme ça très court et très intense, et la mélodie est sublime. Voilà, c'est le genre de chanson... que je rêverais pouvoir écrire un jour. Non, vraiment, son sens de la mélodie. Tout ce qu'il a apporté, en fait, à la musique pop, et notamment à la place de la basse. Parce que dans les chansons des Beatles, la basse est très libre. Elle joue une mélodie dans la mélodie, et c'est assez unique en son genre. Et moi, je suis assez obsessionnelle de la basse. C'est pour ça que j'en joue pas, d'ailleurs. C'est que je l'ai tellement sacralisé, cet instrument, que j'ose même pas m'en approcher. Donc je prends des cours de guitare, de piano, mais par contre j'oserais, je crois jamais, jouer de la basse parce que, je sais pas, c'est trop impressionnant pour moi. Non, enfin, c'est drôle, j'ai jamais trop intellectualisé les paroles, tout ça. J'ai l'impression qu'elle me raconte moi, cette chanson. On se concentre sur le souvenir qu'elle nous évoque plus que sur la chanson en elle-même. Voilà. Va falloir sortir les violons derrière. Vous allez mettre des bruitages. Alors moi, quand j'avais, je pense, 12 ou 13 ans, j'ai trouvé un DVD qui était le best-of des clips des Pretenders. Et alors, je pense que je l'ai saigné, ce DVD. C'est-à-dire que je le regardais en boucle et il commençait avec le clip de Brass in Pockets. Et j'étais folle de Chrissie Hynde. Je voulais être elle, en fait. C'est pour ça que... Enfin, je me rappelle qu'elle jouait sur une Telecaster et mes parents m'avaient offert, du coup, une version Squire de sa guitare. J'étais folle d'elle. J'étais allée chez le coiffeur me faire, je me rappelle, un dégradé pour avoir la même coupe qu'elle. Je l'adorais, voilà. Je pense que Chrissie Hynde est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire de la guitare. This is Love de PJ Harvey, parce que quelle femme, elle est toute seule dans ce clip-là et elle a une prestance incroyable. Et je pense que je l'ai découvert sans doute juste après mon obsession Pretenders. Et pareil, c'est une des figures qui m'a vraiment marquée. Il y avait ces femmes comme ça, dont Nico par exemple faisait partie et qui m'ont donné envie de faire de la musique et de la guitare. Oui, le fait qu'elle s'autorise aussi à être plein de personnages à la fois, plein de femmes différentes à la fois. Elle se réinvente à chaque disque. Enfin, je sais pas, moi je la trouve vraiment, vraiment inspirante, quoi. Je l'aime beaucoup.
Je me rappelle avoir acheté le vinyle de Horses quand j'étais à un vide-grenier avec mon papa dans le sud de la France, parce qu'on faisait ça tous les week-ends, on allait dans les vide-greniers. Et à l'époque, c'était pas du tout la mode des vinyles, donc en fait, on pouvait vraiment les trouver pour 50 centimes. Et donc, je rentrais comme ça avec des piles de vinyles. Et je me rappelle de cette pochette de Horses et de tout ce que ce disque contenait de magnifique et de puissant. Et je me souviens aussi que le disque était... Enfin, il y avait à l'intérieur une sorte de mini poster que j'avais mis comme ça au-dessus de mon lit. Avec aussi, je me rappelle, il y avait les Buzzcocks. Et enfin, j'étais vraiment dans un truc comme ça où j'ai découvert la musique par le rock surtout. Et Patti Smith, du coup, était une figure... centrale. Et je voulais vous parler de Free Money particulièrement parce que je me rappelle que je l'écoutais en boucle et que cette façon qu'elle avait de répéter ça comme un mantra, je trouvais ça... Enfin, j'en avais la tête qui tournait et je me disais mais comment elle fait pour prononcer ça, surtout moi en petite Frenchie qui parle tellement mal encore anglais aujourd'hui, je trouvais ça fabuleux. Non, je la trouve merveilleuse et assez humble aussi finalement dans la façon... Dans Just Kids, je me rappelle la façon dont elle parle, par exemple, de la drogue, où elle disait qu'au début, tout ça, ça lui paraissait être réservé pour les artistes et qu'elle ne se sentait même pas artiste. Enfin, elle a toujours un... Ouais, assez humble et son obsession pour Rimbaud que je partage naturellement. Enfin, il y a beaucoup de trucs sur lesquels elle me parle et elle me touche. Ah oui, oui, j'ai eu un petit tournant là, disco, pendant le... Enfin, ça a commencé avec le premier confinement. Je me suis dit que... Enfin, moi, normalement, je suis plutôt à écouter Dear Darkness de PJ Harvey. Et là, en fait, je me suis dit, non, il faut que je me sorte de mon cafard. Il faut que je me trouve une espèce de BO de confinement, un truc qui me donne envie de sortir de mon lit et de faire des choses. Et du coup, j'ai commencé à écouter beaucoup de disco. Notamment ABBA, et puis j'ai fini naturellement par découvrir assez tardivement finalement Céron, et maintenant c'est ma chanson, là c'est vraiment la chanson que j'écoute le plus, Supernature en ce moment, elle me fait un bien fou, voilà. Puis voilà, c'est peut-être mon côté cocorico, mais je trouve ça trop chouette qu'on ait une figure comme ça du disco France. Mais c'est vrai que comme j'expliquais tout à l'heure, moi je viens d'un milieu à la base beaucoup plus rock, indé, enfin, j'ai commencé avec la femme, tout ça, et c'est vrai qu'il y a une sorte aussi de guéguerre un peu entre le rock et le disco, parce que, je sais pas, peut-être c'est... Je suis entourée peut-être de gens un peu trop snob, je sais. Mais moi j'ai décidé de passer complètement au-dessus de tout ça, et je trouve ça ridicule d'être snob et de dire qu'une musique vaut mieux qu'une autre, ou... Donc voilà, j'ai vraiment décidé, là, sur cet album-là, de mélanger les genres et de m'affranchir un peu des étiquettes. Et donc, je m'autorise très simplement, parfois, à sonner comme Claude François. Voilà, sans culpabilité aucune. Cette chanson-là, c'est vraiment ma chanson, mon remède à la mélancolie, quoi. C'est, mes amis le savent, quand on est en soirée, c'est la chanson qu'il faut me mettre pour me faire décoller de ma chaise. Voilà, le problème, c'est qu'une fois que je décolle de ma chaise, en principe, c'est très dur de me faire réasseoir. Donc c'est dangereux, c'est à double tranchant d'activer le bouton Donna Summer. Le reste de la soirée.